Nous avons une très grande opportunité en Afrique. Parce que quand même, d'après les informations que j'ai reçues, nous sommes 30 doyens de faculté. En ce qui concerne la faculté dentaire de Dakar, je pense que nous sommes importants de cette réunion, parce que cette réunion permet, dans le cadre actuel, de recenser toutes les opportunités pour remettre la dentisterie. Il y a beaucoup de champs, il y a le LMD, il y a beaucoup d'opportunités actuellement qui sont agitées. Maintenant, sur le plan scientifique, je sais que cette cérémonie est supportée par des organisations scientifiques. Il y a l'ACDI qui est une organisation scientifique qui va organiser un congrès en 2016. Et je pense que nous, en Afrique francophone, particulièrement la Guinée, le Mali, nous avons aussi le Burkina, le Bénin qui a une école dentaire. Nous allons être le porte-parole de cette organisation pour que cette organisation réussisse. Voilà un tout petit peu ce que je veux dire pour cette opportunité que nous offre la conférence des doyens africains pour enrichir le monde scientifique par des réunions scientifiques.